Bonjour les amours, j'ai fait une petite vidéo spécialement pour vous au vu des derniers événements dont je vous tairai le nom parce que vous l'avez entendu je suppose déjà des milliers de fois pour ceux qui regardent la télé et pour les autres vous êtes aussi au courant par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on nous a demandé comme règles, etc. Cette méditation a été demandée par une de mes clientes afin de pouvoir se stabiliser, d'être bien dans son énergie, bien dans sa peau, bien dans sa vie par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Je l'ai appelée augmentation de son énergie vitale. Alors, exceptionnellement, je vais vous la lire parce qu'elle est relativement précise. Elle est arrivée avec une grande précision et je ne voudrais pas vous faire manquer des petits morceaux. C'est pour ça que je me permets de vous la lire. Je vais vous inviter maintenant, si vous êtes prêts ou prêtes, à fermer vos yeux, à vous recentrer à l'intérieur de vous-même, prendre ce moment de paix pour vous. Je vous invite maintenant à visualiser un paysage printanier. Alors pour ceux qui ont du mal à visualiser, vous pourrez ouvrir vos yeux et regardez cet arbre derrière moi qui a fait plein de petites fleurs spécialement pour vous aujourd'hui. Ressentez ce calme, cette fraîcheur, cette vitalité. Branchez-vous intérieurement sur cette belle énergie de printemps. Cette vitalité, cette énergie, c'est également la vôtre. Elle va rentrer en résonance avec votre propre énergie vitale. Je vais vous inviter maintenant à ressentir cette énergie vitale, à ressentir vos propres énergies printanières, vos fréquences intérieures. Vous pouvez donner à ces fréquences une note, une couleur, une note de musique qui est la vôtre, qui vous correspond. Ça peut être la joie, l'enthousiasme, le calme, la paix, l'amour. Peu importe, c'est la fréquence qui va vous correspondre et qui vous correspond intérieurement. Cette fréquence qui est branchée sur votre présence d'amour, sur vous-même. Vivez intérieurement cette fréquence. C'est la vôtre. Profitez pour écouter cet oiseau qui chante, qui est venu nous soutenir avec son chant printanier. Et diffusez maintenant cette belle énergie dans tout votre corps. Cette fréquence d'amour, cette fréquence de joie, de paix, de calme, cette énergie vitale dans toutes vos cellules. Vous allez maintenant nourrir vos cellules avec cette belle énergie. C'est comme une douche régénérante, une douche de printemps. Le printemps a une énergie particulière. On le ressent quand on se promène dans la nature. C'est quelque chose qui est puissant, qui demande qu'à s'épanouir, qu'à vivre, vibrer cette fréquence dans vos cellules. Cette fréquence va augmenter, cette énergie vitale augmente maintenant et va vous permettre de nettoyer vos organes, votre système, votre corps physique. Le premier à recevoir cette belle énergie avec ce son d'oiseau, c'est votre cœur. Il va rentrer en résonance et battre à l'unisson. Ressentez ça. C'est agréable de se sentir vivant. Cette énergie va circuler maintenant et circule vers vos vaisseaux sanguins, vers vos artères. Vous savez, les artères, les vaisseaux sanguins, c'est comme un arbre intérieur. Vous allez donner cette énergie vitale, cette puissance à l'intérieur de vous, à travers votre système circulatoire et venir nourrir vos cellules pour ce grand nettoyage de printemps. Cette énergie qui part du cœur va venir maintenant se diffuser vers vos poumons,
et vous allez en profiter pour inspirer cette grande bouffée d'air frais, d'air pur, de printemps, de soleil, de joie. Vous savez que les poumons sont reliés à cette énergie solaire, printanière. Et vous allez en profiter pour chasser toute la tristesse qui a pu s'accumuler au niveau de ces poumons. Cette grisaille de l'hiver va s'en aller maintenant. Et vous allez ressentir cette force, cette puissance printanière. Et sur chaque inspiration, vous prenez cette belle énergie blanche, pure, qui correspond aux poumons. Vous remplissez vos poumons et vous soufflez, vous videz, vous éliminez toutes les tristesses et toute la grisaille. Vous allez faire cet exercice 3 fois. Inspirez bien profondément, remplissez vos poumons de cette belle lumière blanche. Et soufflez, expirez, chassez toute cette grisaille. Encore une fois, on inspire. On se remplit de l'énergie blanche, on nettoie ses poumons et on chasse la grisaille sur l'expiration. Et une 3e fois pour la route. Inspirez profondément cette belle lumière de printemps, blanche comme ces petites fleurs derrière moi. Et expirez et chassez cette grisaille de l'hiver. Cette joie, cette puissance lumineuse de printemps va se transmettre maintenant parce qu'elle est, elle est contagieuse. Alors elle va se transmettre à tous vos atomes et vos poumons retrouvent toute leur pureté d'origine. Elle va rendre visite maintenant, cette joie, à votre foie. Pourquoi le foie? Et à votre vésicule biliaire. Vous savez où il est le foie? Côté droit, vous pouvez mettre votre main dessus. Ressentez ce foie. Et cette énergie de printemps, elle est chez elle, dans l'organe du foie et dans la vésicule biliaire. Elle est à domicile. Et elle va remplir le foie et la vésicule biliaire d'une belle couleur verte brillant. C'est une force tranquille. Vous allez, avec cette force tranquille, cette force vitale, redynamiser votre foie et lui permettre d'éliminer toutes ces énergies de colère que vous aviez pu ressentir. Ces colères, c'est du feu qui va être transformé en un feu créateur, un feu nourricier. Et le foie et la vésicule biliaire vont participer à cette création à l'intérieur de votre corps. On va permettre à ce grand filtre de retrouver son principe actif de nettoyage. Nettoyage de printemps, ça vous dit quelque chose? On fait souvent le nettoyage de printemps dans notre maison et pourquoi pas dans notre maison intérieure, dans notre corps. Ressentez ça, imaginez maintenant tous ces petits bourgeons qui n'attendent que cette énergie nouvelle pour éclore. À côté de ce foie, vous avez la rate qui capte ce signal. Et du coup, c'est tout votre système digestif qui va rentrer en résonance avec l'énergie du printemps et retrouver sa belle couleur solaire, jaune. Le système lymphatique, l'estomac, le pancréas, les intestins, ce 2e cerveau et tout le peuple microbiote va bénéficier de cette fréquence de joie. Vous pouvez poser votre main au niveau du nombril et vous recharger avec cette énergie solaire. Cette fréquence de joie, cette fréquence jaune soleil. Vous retrouvez la puissance de votre soleil intérieur. Avec cette nouvelle énergie solaire, cette nouvelle puissance, vous allez maintenant poser vos mains au niveau de vos reins. Les reins aussi attendent le signal du nettoyage. Ils vont ressentir cette merveilleuse énergie du printemps, cette énergie vitale. Ressentez ces reins qui se rechargent
et toutes ces énergies de peur contenues dans vos reins qui s'en vont, qui font place à la vie. Les reins, c'est l'eau. La vessie, c'est l'eau. Et c'est une belle couleur bleue nuit qui va commencer à circuler à l'intérieur de tout ce système qui va vous recharger. Vos reins sont importants. C'est vraiment la base de l'énergie dans votre corps. Et cette couleur bleu nuit va descendre vers la vessie, éliminant ainsi toute trace de peur, toute trace de lourdeur. Vous pouvez poser maintenant votre main sous le nombril, sur votre ventre, et ressentir au niveau du deuxième chakra cette douce énergie printanière de création. Cette énergie qui va entraîner avec elle toutes les anciennes croyances que vous avez pu avoir, toutes ces scories, on va dire, de l'hiver, qui s'en vont. Vous reprenez votre pouvoir créateur. Et vos organes sexuels vont être nettoyés, purifiés. Prenez le temps de ressentir cette énergie créatrice dans votre ventre. Et avec votre pouvoir créateur et votre volonté, vous allez descendre cette énergie créatrice vers vos genoux et poser un petit peu cette énergie au niveau des genoux et ressentir une grande stabilité dans ces genoux. Cette force, les je et le nous. Vous êtes dans votre énergie, dans votre présence, avec vos genoux stables. Vous nettoyez vos genoux. Une fois que ces genoux sont nettoyés, prêts à marcher, prêts à agir dans votre vie, prêts à créer de belles choses pour vous, elle va continuer à descendre vers vos pieds, vers la terre, et vous allez ancrer vos racines. Et là, comme elle est à la terre, vous rentrez en résonance avec ce beau vert tendre du printemps et rentrez en diapason avec cette énergie de la nature. Vous avez vu, je me suis mis pieds nus, vous pouvez marcher pieds nus en ce moment, c'est le moment, ça vous permet de descendre l'énergie à la terre. Ça vous évitera aussi les migraines printanières. Et là, vous ressentez cette terre, cette nature en contact et en résonance avec votre propre nature. Et vous vous sentez, merci l'oiseau, parfaitement ancré dans la joie. Et cette énergie naturelle qui remonte de la terre, qui remonte à l'intérieur de vous, qui fait partie de vous, calme maintenant et apaise votre système nerveux. Et c'est votre système nerveux qui va s'ajuster à cette nouvelle fréquence. Cette fréquence du printemps, cette fréquence de la joie, cette fréquence vitale, à la fois terrestre et céleste. À la fois solaire et terrestre. Et vous allez ressentir tout ça à l'intérieur de votre corps. Là, vous êtes prêt, vous êtes prête maintenant à pouvoir marcher dans votre vie de façon stable, de façon créatrice pour ce beau mois de mars, avril et ce beau printemps qui se manifeste déjà à nous. Et vous êtes également comme ces petites fleurs. Rien ne vous attend, rien ne vous fait obstacle, c'est juste que vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur. Voilà les amis, je vous remercie, belle création. Au revoir.